3, 2, 1. Je suis à Saint-Césaire, dans les environs de Grasse, à la rencontre de Julia Pereira, médaillée d'argent en border cross aux derniers Jeux Olympiques de 2018, et lycéenne. Suivez-moi. Salut. Salut Julia. Tu vas bien? Oui, et toi? Ouais, super. C'est pas banal de se retrouver dans l'arrière-pays grassois. Non, on est loin de la neige, loin d'Isola 2000, mais voilà, c'est ma maison. C'est ici que je reviens tout le temps, après mes compétitions, après mes entraînements. Enfin, dès que j'ai du temps libre, c'est ici que je reviens et je me sens bien. C'est voilà. La maison familiale. Exactement. Super. C'est un peu dommage avec le temps, donc ouais. On peut aller chez moi. Ah bah super, bon, avec voilà. Plaisir. Alors Julia, comment on se retrouve à habiter à la limite de la Côte d'Azur et à devenir championne de snowboard? Eh bah, ben ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mes parents se sont rencontrés à Isola 2000, ils ont pris une affaire ensemble donc à Isola 2000. Et moi je faisais du ski avant et jusqu'au jour où bah, j'étais en test en fait pour rentrer au club des sports de ski. Donc un entraînement, ça s'était mal passé, je me suis fait un peu gronder parce que bah, j'arrivais pas trop à faire ce que je devais faire. T'avais quel âge là? 9 ans. Ok. Moi, ça m'avait un peu pris la tête et tout, donc j'ai plus très susceptible. Je suis partie en pleurant du cours au restaurant de mes parents et j'ai dit comme ça sur un coup de tête à ma mère, bon bah je vais faire du snowboard. Je suis allée au championnat de France et donc premier championnat de France, je fais première en slalom et troisième en border cross. Et j'ai pas arrêté depuis ce moment-là et voilà. À ce moment-là, t'as un objectif vraiment type je vais être médaillée olympique? Oui. Ou... Ah ouais? Ah oui. Je veux être championne. Ah oui, je veux être championne de snowboard, je veux gagner ma vie du snowboard, je veux il y avait tout ça, c'était là. Après c'était pas je me disais pas bon dans 2 ans je suis médaille olympique, c'était dans 10 ans si jamais machin, enfin c'était beaucoup plus loin, mais l'objectif d'aller aux Jeux Olympiques et de faire une médaille un jour, oui, il était là. Petit retour sur la fameuse journée où la médaille tombe, enfin que tu la gagnes, oui. Elle tombe pas comme ça du ciel. Non, je m'en souviendrai toute ma vie. On aurait dit vraiment une enfant de 7 ans au paradis du jouet, quoi. Enfin, non, mais vraiment, c'était ça. C'était, j'étais comme une ouf. Quand je passe la ligne d'arrivée, je sais que je suis deuxième, mais je réalise pas que je suis aux Jeux Olympiques, que ça y est, je l'ai fait. Et après, là, je vois mes parents arriver, ils voulaient pas, enfin, la sécurité voulait pas qu'ils rentrent dans la raquette d'arrivée, sauf que moi, j'ai poussé tout le monde et j'ai laissé rentrer mes parents. Enfin, bon, non, c'était vraiment un moment assez fou. Et puis, j'ai gagné beaucoup de notoriété et j'ai fait parler de mon sport et c'est cool. Tu le vis comment? J'imagine que c'est une grande joie, mais après, ça a dû être un bouleversement terrible. Ça a été d'un seul coup, beaucoup de télé, beaucoup de presse, beaucoup moi d'un seul coup. Et c'est vrai que bah, ça m'a un peu perturbée sur le coup. Plan, j'imagine, matériel et organisationnel. Là, tout à coup, tu es devenue indépendante financièrement et libre, ouais. En fait. Déjà, j'ai gagné ma vie du jour au lendemain avec le snowboard, en étant mineure, en faisant ma passion, en fait. Donc, ça aussi, c'était vraiment super. Bon, là, après, voilà, maintenant, il y a eu le permis. Mais c'est vrai qu'avant, ben voilà, du coup, donc, c'était le permis, c'est moins... tout neuf. Le permis, c'est tout neuf. Voilà, félicitations. Merci. Voilà, je suis sur vos routes. Attention. Et tu as des hobbies quand même? Tu as du temps pour avoir une passion? Je sais pas. Je fais plein de choses. Je fais un peu de skate. Bon, très peu, mais j'en fais un peu à la maison. Je fais de la boxe quand je viens ici. Comme entraînement physique. Ouais. Donc après, assez régulièrement. Voilà, là j'ai la rage, j'y vais, je défoule, je sors tout ce que j'ai de mauvais dans la tête ou quoi. Même si quand j'ai un coup de mou ou quoi, j'y vais et je ressors, je suis bien, j'ai fait ma séance de sport. Moi j'ai un petit coup de mou là. Eh ben, on y va, j'ai une séance là dans une demi-heure, donc on peut aller se préparer. Et voilà ma chambre. Waouh, super! C'est lourd? Ouais, c'est lourd. Ouais, c'est lourd. Hop! Tac, tac. C'est parti! On essaie de bien avoir la patte douce. Ok. Direct. Oui. Direct. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans la boxe? Ça te sert à quoi?
La boxe, ça me sert à encore plus affirmer ce côté détermination qui doit y avoir dans mon sport. C'est vrai que le fait d'être vraiment dans ma bulle et de vouloir frapper comme ça, ça me motive et ça me, et puis ça me défoule surtout. Ouais, avec ton rôle justement de leader quelque part dans cette équipe féminine, t'as conscience de ça, ça t'aide? Même avec ma médaille, j'ai l'impression que c'est pas encore moi la leader. Enfin, je reste encore à ma petite place de petites nouvelles, mais après, oui, devenir leader, par contre, ça, c'est un réel objectif. C'est vrai que c'est toujours plaisant quand les gens disent que tu es leader de l'équipe de France, mais je, personnellement, j'y suis pas encore et il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Bon, bah, je vais te laisser t'entraîner. Merci. Bonne continuation, Julia, et merci beaucoup pour ton accueil. À bientôt. Ciao.